Je reçois Patrick Dubois d'ABCD Formation. Bonjour. Bonjour. Alors ABCD Formation, comme son nom l'indique, c'est de la formation. C'est de la formation. Autres. Merci d'être passé nous voir sur le plateau de la Web Télé. Alors deux mots sur ABCD, puis sur un produit spécifique qui apparemment avec une exclusivité qui est le vôtre. Alors deux mots sur ABCD. ABCD, c'est un concept d'indépendant qui regroupe des formateurs indépendants aujourd'hui partout en France. Nous sommes issus, nous, de grands centres de formation et nous avons décidé de nous regrouper sur une enseigne d'indépendants. Le concept est le suivant, des indépendants vendent des indépendants. Très voilà. Bien. On passe en direct avec des formateurs qui ont tous leur agrément, donc un gage de sérieux pour tous nos clients. Alors, c'est de la formation, j'allais dire tout type de formation ou... On vend tout type de formation possible et inimaginable puisqu'on bénéficie de cet agrément, justement, pour pouvoir commercialiser, mettre en relation avec les meilleurs formateurs dans tous les domaines d'intervention possibles. Alors après, vous m'avez dit, on a une exclusivité. Donc, quelle est cette exclusivité? Alors, c'est une exclusivité nationale. Effectivement, nous proposons un pack de comptabilité. Ce pack de comptabilité, lui, est d'un classique, si je puis m'exprimer ainsi, relativement simple. Nous gérons la comptabilité des CE au jour le jour par le biais d'un expert comptable qui va prendre les comptes, qui va les mettre sur un logiciel spécialement reconnu par l'administration fiscale. Mais la nouveauté aujourd'hui et l'exclusivité nationale, c'est quoi? C'est que dans ce pack, nous garantissons au CE l'intervention lors d'un contrôle fiscal. Tout est pris en charge, tous les frais sont pris en charge. Donc c'est une assurance en fait qui couvre tous les membres du CE en cas de contrôle fiscal. Oui, ceci dit, le CE, pour avoir un contrôle fiscal, c'est pas d'actualité. En revanche, un contrôleur, ça fouille. Ah non, un contrôle fiscal, un CE, on reçoit régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, il est stipulé qu'en France, un CE sur trois risque des contrôles fiscaux. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, la loi du 1er janvier qui va être mise en application prochainement. La permission. Voilà, exactement, concernant l'obligation de tenir une comptabilité. Si, à votre avis, ils ont mis en place cette stratégie, c'est pourquoi? C'est simplement pour aller chercher de l'argent là où il y en a. Donc nous, on veut simplement les protéger, les avertir. On anticipe un petit peu, on a été voir les assureurs, on leur a dit, trouvez-nous une solution pour protéger, pour anticiper par rapport à l'application de ce nouveau décret, de cette nouvelle loi, de façon à protéger les membres du CE en cas de contrôle fiscal. C'est le cas aujourd'hui et on a cette exclusivité au niveau national. Et donc votre logiciel, il est déjà prêt pour l'application de la loi Perruchot? Totalement. Alors, c'est pas un logiciel, attention qu'on se comprenne bien. Notre logiciel, c'est un logiciel de type Quadra qui est utilisé au jour d'aujourd'hui par les experts comptables. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, n'importe quel logiciel de type Quadra administré par l'administration fiscale peut être utilisé. Je ne vais pas vous donner des marques parce qu'on pourrait parler de Quadratus ou de ce genre de choses ou des logiciels comme EBP. Bref, il en existe quelques-uns. Je ne connais pas tous ces logiciels, mais ce logiciel va permettre par le biais du CE qui envoie les pièces comptables et les données comptables à l'expert, au bureau d'experts comptables qui gère les comptes, de mettre tout en place, d'avoir un visuel complet de la comptabilité du CE. Et le CE, lui, aura un rôle d'envoi de pièces. On va simplifier en fait le rôle du trésorier au minimum. Il va pouvoir se consacrer à aider beaucoup plus le secrétaire, puisque nous, dans la formation, on remarque tous les jours les manques. Quels sont ces manques? Quelles sont ces absences? Le secrétaire a toujours, toujours, toujours tellement de charges de travail dans beaucoup de domaines d'intervention que le trésorier, c'est toujours son bras droit. Ah ben toujours, c'est lui qui tient les comptes. Ah ben, tenir les comptes, c'est lui qui vient aux réunions, c'est lui qui vient l'aider dans beaucoup de domaines d'intervention. Au jour d'aujourd'hui, si on lui libère un petit peu de temps, justement grâce à ça, et qu'en plus on les couvre au niveau de cette assurance par rapport à cette nouvelle révolution dans le domaine de la comptabilité, il aura tout le loisir de pouvoir accompagner plus librement le secrétaire de CE. Donc tout le monde s'y retrouve finalement. Tout le monde s'y retrouve. Exactement. Donc ABCD, vous avez ce produit-là que vous lancez. Quel est l'accueil que vous recevez de la part des élus sur ce produit? Au jour d'aujourd'hui, c'est un salon relativement calme et chaque participant nous accueille merveilleusement bien en nous disant justement « Ah oui, ça les interpelle. Oui, on est au courant, effectivement, la législation est en train de changer. Comment ça va se passer ?» Nous ne sommes pas les décisionnaires par rapport à une loi. Nous anticipons simplement par rapport à cette loi en leur disant « Mais plus ça viendra, plus vous aurez de contrôle. » Et plein de gens viennent nous dire « Mais nous, on a reçu des contrôles fiscaux, pas un contrôle d'URSSAF, des contrôles fiscaux pour des histoires de tickets restaurants. » On était sur le salon CE à Marseille au mois de septembre l'année dernière.
sur votre salon au mois de septembre. Et nous avons eu le cas d'une personne, d'un CE, qui s'est fait contrôler pour une histoire de deux tickets restaurant. Deux tickets restaurant. Alors, vous parliez de contrôle URSAF. Oui, effectivement, il existe des contrôles URSAF. Là. Il existe tellement de choses autour de ces produits-là. Pourquoi pas? On peut aller encore beaucoup plus loin. Au jour d'aujourd'hui, on s'est contenté de dire attention, nouvelle législation. Si l'État veut faire reconnaître le CE comme, je dirais, comme une entreprise quelque part, puisque maintenant, on peut y aller fiscalement, c'est qu'il y aura des contrôles fiscaux. Il faut s'y attendre. Donc autant être prévoyant, anticiper et dire voilà, au jour d'aujourd'hui, on met en place cette assurance et ça les couvre totalement. En cas de débordement, dès que vous avez un contrôle, il faut savoir une chose, c'est que vous avez des frais d'avocat, vous avez des frais de comptable, oui, des frais d'expert comptable. Bon, ben, ces frais peuvent aller très très loin sur les trois dernières années. Si vous mettez bout à bout un contrôle dans certaines structures, on peut monter à des sommes relativement importantes. Là, ça sera pris en charge intégralement par cette assurance. C'est quand même une vraie révolution puisque jusqu'à présent, ça n'existait pas. Ah bah écoutez, merci d'être venu nous présenter. Je vous en prie, merci de me recevoir. Et puis, j'espère à très vite sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Avec plaisir. Merci.